Allez, bon, on va tester comme ça, on verra bien si ça marche. Là, il va l'air stable, mais putain, si je dois plus me faire avec des jeux solo là pour le moment, c'est un peu relou. Halt! Plus loin, tu trouveras une porte infranchissable fermée à double tour. Reviens me voir quand tu auras récolté les casques que je t'ai demandés. Alors je t'aiderai.
Attendez. Tu as du... Je t'ouvre le pass. Les troupes d'élite, elles... Ok. Bah comme d'hab, et toi, bah pareil, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, j'ai du souci, là, je galère avec la peau. Là, j'ai appelé Bouygues, normalement, il me file une autre carte SIM. Pour voir si c'est la carte SIM, je déconne ou pas. Parce que, bah, j'ai pas de débit, quoi. À tout à l'heure, j'ai voulu lancer sur Wakfu, ben, le live crash, il tient pas. Là sur un jeu solo apparemment il tient. Enfin apparemment. Pour l'instant ça tient. Quelle galère! La misère un peu, ma petite Smoothie en ce moment là, niveau connexion, on n'est pas au point, on n'est pas au point là. Et toi alors, toujours pas allé au médecin, rien? Oh.
Non, toujours pas, et comme ça commence à me saouler car ma soeur elle a le droit de pas aller en cours alors que bizarrement elle pète la forme quand je rentre et moi non alors que ben voilà je suis toujours malade. Donc compliqué. Ouais j'avoue que ouais c'est compliqué ce coup-ci en vrai ouais je sais pas trop quoi te dire à part bah à part pas grand chose en vrai hein. Parce qu'en vrai je sais pas trop quoi te dire. Sinon tu loupes tes cours pour aller au docteur de l'école, hein, à l'infirmière de l'école et puis voilà hein. Parce que sinon ta mère jamais elle va t'amener au docteur tu vois. T'appelles les pompiers. T'appelles les pompiers, tu leur expliques la situation et tu leur dis que ta mère elle veut pas t'amener au docteur, que t'es tout le temps malade, nanana. T'expliques ce que t'as et peut-être que les docteurs ils vont enfin les pompiers ils vont peut-être t'amener eux. T'amener eux, tu vois. Là en vrai. Pas 50 solutions en vrai. Pas ce qu'il faut faire. T'as un hôpital dans la ville où t'habites? T'as un hôpital ou pas, ce mois-ci? Dans la ville où t'habites? Je vois pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ah! D'accord, putain, bah ouais, vous trouvez, hein.
Ouais, parce que j'aurais dit, il y aurait un hôpital, bah tu sèches les cours et tu vas à l'hôpital, tu vois. Après, là, tu peux aussi sécher les cours et aller au médecin. Hein. S'ils veulent pas. S'ils veulent pas faire quelque chose, tu vas pas rester malade pendant longtemps, tu vois. Après, ouais, sinon, c'est aussi, il faut que tu saches les coups et que tu ailles au docteur. Hein. Puis voilà, hein, t'as pas 50 solutions. Hein. Si t'es tout le temps malade et que tu sais pas ce que t'as. Thank you.
tes parents veulent rien faire, bah à toi d'agir. Hein. Tu vas, t'appelles les pompiers, t'appelles un médecin, je sais pas, tu te débrouilles, tu trouves quelque chose quoi. Salut Yoshi, comment tu vas? Ouais, bah moi c'est pareil Yoshi, hein. T'inquiète pas, je te rassure, moi c'est la même. Si, la même. Puce Bouygues, je la refais entre le 6 et le 8, donc une nouvelle puce pour voir bah si c'est ça hein. Parce que c'est après, enfin à midi on a fait les tests avec Bouygues, là ils m'ont fait reset la box, ils m'ont fait réinitialiser la puce, je sais pas quoi machin et tout. Pareil le débit zobi quoi, le débit c'est le même. Alors là j'ai réussi à trouver un endroit chez moi où j'ai un petit peu plus de cause qui me permet de live, mais bon tout à l'heure j'ai lancé sur un jeu solo, sur un jeu multi, bah impossible de live, voilà, pour changer quoi. Et là, j'ai retenté sur un jeu solo, ça a l'air de marcher sur un jeu solo, qui est déjà ça, on va dire. Mais ouais, non, c'est la galère, hein. C'est la merde, mais ma coin un jour sur deux elle marche pas. Des fois elle va marcher pendant 20 minutes et après elle marche plus. C'est en ce moment c'est merdique. Donc j'espère qu'avec la nouvelle co ça va aller mieux. Enfin avec la nouvelle co. Avec la nouvelle puce ça va aller mieux et ça va marcher. Mais ça pourrait... c'est pas sûr du tout hein. Merde. Ben ouais ouais ouais, y a... hier ça a crash, j'ai pas pu live. Oh, tu me diras, au moins je rattrape mes séries hein. J'ai le soir quand j'ai la flemme de jouer, parce que du coup la co marche pas, ben c'est Netflix hein, je suis à jour dans mes séries. Ouais. Thank you.
ma peau, elle est pas là tout le temps, en fait. C'est-à-dire que je peux pas live, mais je peux même pas jouer à des jeux en ligne. Je peux pas tourner des vidéos hors jeu solo, je peux rien faire, quoi. C'est vraiment la coup de la S, quoi. C'est... tu peux rien faire. J'arrive tout juste à pouvoir uploader des vidéos, mais il me faut la nuit, quoi. J'ai l'impression d'avoir ma peau d'il y a... allez, 7-8 ans, quoi. La coupe que j'avais il y a 7-8 ans, quoi. C'est une grosse merde, quoi. Pourtant, les débits sont assez potables et tout, mais ça suit pas, ça veut pas. J'y avant j'avais 130-140 mégas de connexion au même endroit et maintenant j'ai plus rien, quoi. Il m'a dit: ah, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution. J'ai dit d'accord, mais si la solution, j'aimerais bien l'avoir quand même. Rebrancher la box, c'est sympathique, mais ça c'était le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, débrancher, rebrancher une box, ça fait que dalle, quoi. Bonjour, vous avez vérifié que votre box elle est bien allumée? Bah non, connard, j'essaie d'avoir de la quoi avec une box qui est éteinte. C'est pour l'économie d'énergie, c'est pour l'écologie. Macron il a dit que vous aurez internet sans avoir de box allumée. Faut l'éteindre, il a dit. J'ai éteint, moi je comprends pas. Et des fois les mecs ils sont teubés. Hein. Au moins l'avantage Yoshi c'est que là. J'ai que ça à faire de faire mes jeux solo. Au moins j'avance dans les jeux, c'est déjà ça. Alors pas dans tous, mais j'en avance dans pas mal. Après j'avoue, en ce moment, ça me gave de pas avoir de pause très peu. Hein. C'est bizarre, j'ai du temps, mais je joue pas. Je joue beaucoup sur Netflix pour faire mes séries. Je prends un peu de temps tranquille, quoi. Là ouais, fou, je peux rien faire, hein. Je peux pas jouer, je peux pas faire de vidéo, là tout à l'heure je me suis quoi Wapfou, j'ai le live qui a crash et juste après ben, j'ai Wapfou qui a crash. C'est pas super, j'ai eu le temps de faire un combat. Du coup j'ai dit bah c'est sympa, allez nice. J'ai dit bon bah tant pis, hein. En ce moment je peux pas. Les cartes lui il peut donc il fait des vidéos mais moi je peux pas. Dès que je peux, ben j'essaye de me faire une petite vidéo, mais
En ce moment, j'ai pas le temps le midi. Donc ça, c'est relou. J'ai à midi, ma pause repas, ça a été être avec Bouygues au téléphone. Voilà, sympa. Ouais, bon après ça va, c'est pas obligé non plus de sortir une vidéo tous les jours sur la chaîne Wafou. Hein. C'est pas une obligation non plus, la chaîne elle marche toute seule. Même si tu sors une vidéo tous les 3-4 jours, c'est pas gênant non plus, tu vois. Y a pas d'obligation d'être connecté ou de sortir du contenu H24, tu vois. C'est pas... Y'a tellement personne qui fait de vidéos sur le jeu Wafou que même si on en sort une tous les 3-4 jours, ben ça va, tu vois. Y'a pas mort d'homme. De toute façon, même si je voulais, je peux pas pour le moment. Donc, je peux pas mieux que ce que je fais là, hein, c'est-à-dire rien. Voilà, magnifique. J'aime ma connexion. Allez, je prends des pièces, des casques. Attends. Bah ouais, là même si je voulais, je peux rien faire de mieux. Donc, là, c'est pas moi qui veux pas. Hein. Il a bien vu tout à l'heure, il était sur le live quand j'étais sur Wafou. Au début, ça allait, puis après, plus trop quoi. Ça crache. Donc là, c'est pas que je veux pas. Hein. C'est juste que ben je peux pas quoi. Donc, voilà. Hein. Entre le 6 et le 8, ouais, donc entre jeudi et samedi, je crois. On verra bien. Si ça marche après, tant mieux. Tu vois, et si c'est pas ça, et ben après, il faut les rappeler. Et cette fois-ci, ben, je crois, ils m'enverront une box ou un truc comme ça, je sais pas. Hein. Je sais pas trop. Enfin, ils vont bien se démerder parce que j'ai expliqué aux gars que moi j'étais streamer et que du coup. Je peux pas avoir de connexion, il me sert un peu à rien là, leur 4G box de mort là. Là le pire le gars c'est que il me dit vous avez un forfait téléphone aussi chez nous. Bah je dis non, j'ai que les forfaits box. Il me dit ah si vous avez un forfait téléphone. Bah je dis bah non, j'ai pas de forfait téléphone. Je suis pas débile quand même, je vois sur mon espace client, il n'y a que mes box. Me dit non mais si vous avez un forfait téléphone. Bah j'ai dit écoute garçon, t'es sympathique mais mon téléphone il est chez FR, il est pas chez Bouygues. Si j'ai que mes deux box 4G et j'ai rien d'autre. Et le gars si moi je vois que vous avez un forfait téléphone. Bah j'ai dit écoute mon gars, j'ai t'as un forfait téléphone si tu veux, mais j'ai jamais payé de forfait téléphone et j'ai jamais eu de téléphone Bouygues. Donc du coup je sais pas c'est qui que t'as comme comme client mon garçon, et c'est pas moi hein. Faire payer plus peut-être. Non mais au final c'était un autre mec qui s'appelait bah, exactement comme moi, un autre Adrien machin et tout, mais pas moi. Le mec était même pas dans ma région, même pas dans la même banque que moi, mais le gars il me soutenait que c'était moi. Je dis bah non frérot. Et je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit vu comment marche vos 4G, il faut vous prendre un téléphone hein. Il me dit
mais non, monsieur, on va trouver une solution. Bah, je dis, ouais, tout ça, ta solution. Je dis, pour le moment, ta solution, il y en a zemi, hein, il n'y a rien, hein, ça marche pas. Et je lui ai dit au gars, je lui ai dit, tu vas me dire quoi cette fois, que c'est la box qui est trop vieille, qu'il faut la changer, pour que j'ai le nouveau modèle qui, au final, est exactement le même modèle, comme vous avez fait le dernier coup. Il me dit, ah, pourquoi vous avez déjà dû? Bah, je dis, oui, il y a à peu près 2-3 ans. J'ai ma connexion, j'avais plus de débit. J'ai comme là. Et puis, il fallait que je prenne une autre box et tout. Donc, j'ai pris l'autre box avec un nouveau forfait. Et bizarrement, quand j'ai reçu la nouvelle box et le nouveau forfait, ah, mon débit il est revenu normal. J'ai depuis la box, elle marche toujours. Hein, parce qu'en plus, la nouvelle box était. Je lui dis comme ça, je dis, la nouvelle box était exactement la même que l'ancienne. Même référence, même modèle de box, exactement la même. Alors que soi-disant, la nouvelle était plus performante. Nanana. Mes couilles, je lui dis, c'était exactement la même box. Je dis donc, bon, si vous avez d'autres conneries à me dire, allez-y, mais... Par contre, comment je fais pour avoir Obélix, moi? C'est relou, hein. Je pense que c'est une obsolescence programmée. Non, non, c'est à mon avis, c'est Bouygues qui font exprès. Regarde Eckhart. Eckhart, pareil, il avait problème de co. Ils lui ont envoyé une nouvelle puce. Et le jour où il a reçu sa nouvelle puce, bizarrement, son ancienne, le débit est revenu normal. Tu vois. Et du coup, bah, il a gardé son ancienne puce. Si je me trompe pas, il a gardé son ancienne puce. Ah bah ça y est quand même. Ah oui, c'est sûr et certain. De toute façon, je lui ai dit au gars, si ça marchait pas, je revenais chez Orange. Je lui ai dit, parce que maintenant Orange, ils font des box 4G. Et j'ai la 4G d'Orange où j'habite, elle passe nickel. Je lui ai dit, si vous ça marche pas, ben, je prends la box 4G d'Orange. Et je lui ai dit, en plus, ils viennent d'installer la fibre. Donc je lui ai dit, si ça marche pas, je vais prendre la fibre. Je lui ai dit au gars. Moi, si vous voulez perdre un client avec deux box, donc deux forfaits, c'est vous qui voyez. Hein. Soit vous me remettez le débit normal et que ça déconne pas, soit eh ben, je change d'opérateur. Je dis, les box, j'ai pas d'abonnement. Enfin, comment dire, je peux résilier quand je veux. J'ai dit, je peux résilier quand je veux. Donc, j'ai moi, vous savez, j'ai moi, je suis streamer, j'ai besoin de la connexion. J'ai dit, si c'est vous, ça marche pas, il y a d'autres opérateurs que j'ai dit, ça marche. Ah mais il m'a dit mais non mais monsieur, on va trouver une solution. Ah bah j'ai moi la solution est vite trouvée, hein. J'ai dit, si quand je reçois la nouvelle puce ça marche pas, et ben je change d'opérateur, hein. Et j'ai dit moi j'avais une code d'à peu près 130 mégas en débit descendant et entre 50, je lui ai dit entre 35 et 80 en débit ascendant. J'ai dit moi si j'ai pas la même connexion quand vous me renvoyez une puce, ben moi vous savez pas, je change d'opérateur, hein. J'ai au prix où je paye le forfait, il y en a d'autres, hein, des forfaits. Hein. Oh putain. Et ils sont où, t'es fou, à l'appart où j'habite là, avant j'avais une co. Laisse tomber, j'avais une meilleure co que dans mon ancien appart. J'avais une co de bâtard, et là je reviens au même endroit, la co elle est merdique. Je reviens, mais quand même quoi. Et là, si je vois que la changer de puce ça marche, bah, je les rappellerai pour ma deuxième box et je leur dirai, bah, vous me faites pareil, vous changez la puce. Toi, après je veux deux box, comme ça je pourrais en mettre une dans mon garage pour faire les lives mécaniques, et là ça sera trop bien.
Il y en a un qui se planque là. Où c'est qu'il est? Ah, voilà au fond là-bas. Là, on arrivera à quelque chose. Ah ouais, de ouf. Non, là, je suis content. Là, je fais... alors, pas ce week-end. Parce que j'ai mon fils. Mais le week-end prochain, je fais mes travaux chez moi, enfin. On finit les travaux, là. Hop. Ah, t'as fait quoi aujourd'hui, mon petit Yoshi? T'as joué à Tower of Fantasy? Ou tu t'es replongé dans Xenoblade? Non, non, le stage... Ah bah oui, c'est vrai, ça a repris des cours. Ouais, là me tarde de finir de faire les travaux là. Putain, ça va être trop bien. Et en plus, c'est que là, j'ai réfléchi un peu plus au délire de comment aménager tout. C'est qu'en fait, du coup, je vais avoir une pièce pour faire mon setup. C'est-à-dire que la pièce que je suis actuellement, bah, ça va être mon studio. Je vais avoir assez de place pour faire mon studio. Ce qui n'était pas prévu du tout à la base. Et donc, du coup, je suis hyper content. On va faire un studio avec mes deux setups. Donc mon setup jeu vidéo et un setup art. Donc je pourrais faire dessin et tout. Parce que dès que j'ai fini mes travaux, bah, du coup j'achète mon nouveau PC. Et du coup bah, j'aurai mon PC actuel que j'ai là qui servira pour le setup art, c'est-à-dire dessin, tout ça. Et comme ça j'aurai chaque setup aura bah, chaque endroit aura son setup. Ce sera trop bien. Là j'ai hâte de finir les travaux. Dans 15 jours là, j'ai tellement hâte. J'ai presque fini mon déménagement aussi. Enfin. Qu'est-ce que j'aime pas déménager les amis. Ah là je déménage où je suis là. Et mon prochain déménagement, je veux que ce soit chez moi. Ma maison. Je chapitre 5 et la nouvelle map arrive le 22 octobre. Oh là là, c'est une nouvelle histoire. Allez, je me doute. Ouais, bon, alors il reste encore plein de trucs. Hein. Après, le plus chiant, c'est quand t'as tout enlevé et que tu, tu fais le ménage. Après, ça, c'est le truc le plus relou. Et après, faut nettoyer vraiment partout, derrière tous les meubles, derrière. Oh là là, c'est relou ça. Ça va, bah écoute, il était allé voir, je sais qu'il allait voir le docteur aujourd'hui, mais il a pas donné de nouvelles, donc je sais pas si ça va. J'en ai aucune idée. Il devait aller à le docteur aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles, donc comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein.
Encore un truc comme ça. Je te donnerai un cadeau si tu parviens à collecter les casques répartis sur cette descente. Ouais, sûrement, Yoshi. Sûrement, sûrement. Ouais, encore un bordel comme ça. Salut Onyx. Comment ça va? Ça va, ça va. Oh, j'ai validé les 2500. Putain, je suis une bête. Oh, je suis un monstre. Quelle descente! Voici ton cadeau. Attends, tout ça pour ça. Dépêchez-vous. Le sort de vos amis dépend de vous. Ah, éclaté. Comment tu vas, mon petit Onyx, toi? Avec nos co-éclatés, Onyx, je sais que t'as vu. Je fais partie du FC co-éclaté maintenant. J'espère qu'on pas longtemps. Ah ouais, non, mais moi j'en peux plus de la colle. Bah, tu me diras, j'ai jamais autant regardé Netflix. Hein. Même d'autres films, hier soir, je me suis maté. C'est pas sur Netflix, mais c'est sur un autre site qui d'ailleurs bientôt sera dispo sur le Discord aussi. Mais je me suis maté, comment ça s'appelle en streaming les animaux fantastiques, là, les secrets de Dumbledore, le troisième. Et j'ai commencé le dernier Thor, là, Thor Love and Thunder. Je vais le finir à cette nuit, là. Et oui, bientôt je vais mettre un truc sur Discord, donc on pourra... bon, cette fois-ci ça marchera. Ce sera pas comme l'autre que je voulais faire, mais que les mecs ils se faisaient niquer les liens tous les deux secondes. T'as la foi. La foi de quoi, Onyx? Putain, je suis arrivé par là, il faut que j'aille où? Regarder tout ça, bah tu veux faire quoi d'autre? Sinon je me fais chier et ça me casse tellement les couilles de pas avoir de coups que j'ai pas envie de jouer non plus, tu vois, enfin ou très peu, tu vois. Donc du coup bah c'est soit ça soit je me fais chier chez moi, tu vois. J'ai pas fini mon déménagement, du coup j'ai pas mon matos pour dessiner machin tout ça, donc bah j'ai vraiment rien à faire, quoi, tu vois, vraiment rien à faire. Donc du coup bah c'est soit je me pose et je mate des séries. Je me surfais les Naruto, là je suis au combat avec Madara, là j'en suis arrivé où il y a les Hokage qui viennent aider Naruto et où Sasuke se rallie à Naruto et tout ça. Donc, j'attends je mate ça, tu vois, histoire de me refaire ça, mais bon j'ai rien d'autre à faire, hein. Non, j'ai rien d'autre à faire, sinon je me fais chier devant le PC et quand j'ai pas de coke, ça met 3 heures à charger un site internet, un machin, bah ça me casse les couilles, tu vois. Là, tu m'as perdu sur Naruto. Ouais, mais c'est la fin de Naruto, là, ce que je te raconte.
C'est la grande guerre, machin et tout. C'est la fin de l'animé. Et après, je vais reprendre la suite de Boruto, là où je me suis arrêté. Mais après, regarde, le vendredi, j'ai ma série Seigneur des Anneaux. Et Shiza Picture sur Netflix. Le mercredi, j'ai She-Hulk. Et la nouvelle série Star Wars, la série Star Wars Andor. Voilà, tu vois, il y a plein de trucs quand même. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire, à regarder, donc ça va, tu vois. C'est bon, c'est vrai que... Voilà quoi. Moi j'essaie de terminer des jeux aussi, hein. J'avance aussi dans les jeux. J'ai encore un peu avancé sur FF. J'avais avancé sur Astérix. J'avais fait un épisode de plus, etc. Tu vois. Non, j'arrive quand même à regarder moi. Donc voilà. Je me tape, mais je me fais mes programmations sur la chaîne principale aussi. Bonjour. Et je constate que tous les jours on perd des abonnés sur la chaîne, du coup ça démotive un petit peu, on va dire. Reviens me voir quand tu veux. À une prochaine fois. Du coup, bah voilà quoi. Et je suis content parce que par contre j'en prends un peu sur la chaîne de voiture. Sur la chaîne de mécanique, là, j'ai fait un short, il a fait 1700 vues, j'ai pris quelques abos, voilà, tranquillement. Là, j'ai recommencé. Ouais. Ouais, des fois, c'est parce que c'est ton réseau est privé, enfin, c'est compliqué au niveau des trucs de connexion. Ah ouais, ils ont prévu des trucs de bâtard. Et toi, Onyx, t'as essayé de rappeler Bouygues pour ta connexion? Tu leur as pas dit, ben renvoyez-moi une puce, comme ça. Commence à se demander quand vous arriveriez.
Je crois que les Romains avaient l'intention de nous abandonner au milieu d'un glacier, enchaînés à un pic rocheux. J'en ai encore froid dans le dos! Avez-vous retrouvé Bonne Mine, la femme de notre chef? Non, pas encore. Et Arche Canonix, sa femme, et la belle Falbala? Non plus. Ils étaient avec nous jusqu'à... Lutèce. Ensuite, nous avons été séparés. J'ai cru comprendre que 5 légions entières les escortaient jusqu'à Athènes. En Grèce. Nous allons tout de suite partir à leur recherche. Panoramix nous a dit que vous aviez réussi à dérober un morceau de la grande carte de César. Oui, oui, la voici. Ouais. Enfin, c'est ouf ça. Hein. C'est ouf, Onika, en vrai. Ok, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Tac.